Aujourd'hui, nous sommes samedi 15 juin, une semaine avant la fête de la musique. Mais à Trau, petit village du Loir-et-Cher, ils ont décidé de le faire une semaine avant pour attirer plus de personnes. Nous allons voir tout de suite ce que ça donne avec vous. Nous voici arrivés à Trau. Alors, prêt pour la musique? Bon, on sait jamais. Bonjour. Bonjour. Moi, Bushing, my Bushing. On s'appelle Tribute, on est quatre. De guitare, basse, batterie. Et on fait un répertoire rock des années 70, 80, Neil Young, Alice Cooper, ACDC. Oui. Et vous, vous jouez de quoi personnellement? Dans Tribute, je joue de la guitare et je chante. D'accord. Guitare d'accompagnement. Vous travaillez sur quoi comme guitare? Une l'arrivée, une guitare acoustique, l'arrivée, une guitare québécoise. D'accord. Voilà, qui est arrivée jusque chez moi. Et pourquoi vous avez décidé de jouer plus du rock des années 70 que autre chose comme style musical? Parce que c'est des morceaux qu'on n'entend plus trop. D'accord. Voilà, c'est un répertoire. On est quatre copains, donc on a choisi les morceaux et qu'on aime à peu près tous. Et c'est les morceaux qu'on n'entend pas trop souvent, donc voilà, c'est un peu ça. C'est pour ça qu'on s'appelle Tribute. D'accord. Et vous refaites que des reprises ou vous avez aussi quelques compositions de votre part? Alors, on a des compositions, mais c'est un autre répertoire qu'on ne fera pas ce soir. D'accord. Et c'est quoi comme répertoire du coup? Comme répertoire, c'est les chansons françaises, compositions... c'est assez difficile à dire, des chansons un peu humoristiques, un peu autodidacte. Non, pas didacte, l'autre en fait, quand on parle de soi en fait. Autobiographique. Voilà, c'est ça, d'accord. Merci, cherchez le nom. D'accord. Et on pourra vous revoir quand? Alors, pour l'instant, c'est pas trop, on sait pas trop, à part à Trau. C'est le répertoire Tribute, c'est son premier concert ce soir. Ah d'accord. Donc on a commencé à bosser en début d'année et on fait notre premier concert ce soir. D'accord, donc on vous suivra avec grand intérêt. C'est toi.
mijoter sous son corps animal. Dans cette chambre où les nuits durent pas plus d'un quart d'heure, juste après le péage, assurer l'esclavage et remettre à zéro les coups sur le contrat. Quand vous allez rater sur les corps de chacun, dans cette nouvelle bourrée, on se passe les envies et vendre que le tout en salle au contrat. No la no la no la no la no la no la. Préparez-vous pour un moment de metal! Donc, comment s'appelle votre groupe tout d'abord? Blast. D'accord. Ça fait combien de temps que vous jouez? Ça fait un mois et demi. Non, ça fait 6 mois. Un an, ouais. Un an. Ça va faire un an bientôt. Ça va faire un an au mois de septembre. Ouais, voilà. Donc, vous jouez ensemble depuis un an, mais vous aviez chacun un groupe avant? Pas en fait, groupe. Eux étaient déjà en groupe et moi je suis arrivé après. Donc vous jouez quel style musical plus? Moi c'est punk rock, festif, humoristique. Punk humoristique. Voilà. Et pourquoi plus du punk humoristique qu'un autre style musical? Eh ben, on avait envie de chanter en français pour que les gens puissent comprendre les paroles et puis s'amuser un petit peu avec pour l'instant ça. Fonctionne plutôt bien à notre niveau quoi. Bon, on va pas vous embêter plus longtemps à vous poser des questions, mais on peut vous revoir quand? Vous avez déjà des dates de prévues? La semaine prochaine. Ouais. On fait le 21 juin à Vendôme, le 22 juin à Marais et le 23 juin à Neuilly-Pont-Pierre pour la fête de la musique. D'accord, bah, merci et puis peut-être à la semaine prochaine. Ça roule. Ça marche. Salut. À bientôt, salut. Pour nous envelopper dans son manteau adoré, quand les petits oiseaux ont cessé de faire cui-cui-cui-cui-cui, quand les téléphones portables ont cessé de faire cui-cui-cui-cui-cui.
sur nous un tout celui étoilé. Arrive le moment de s'allonger, tous les deux d'écouter la forêt s'émerveiller. Et la maman, elle a toujours voulu, elle a toujours eu le piano. Mon père voulait faire de toi un bon enfant.
d'une main douce mais confirmée, tu as fait ta macrolo. Dans un instant de frénésie, maintenant je suis plein de remords. J'aurais voulu t'offrir la vie à la suite de cette symphonie. Si mes odieux suivaient en soi, tu as tout un fidèle ami sans même me laisser le choix. We'll be right back.
chaussons, il y a des pauvres mecs. Bonjour, bon appétit. Bonjour, merci beaucoup, c'est gentil. Donc vous êtes Witchway, ça fait combien de temps que vous jouez en fait? Depuis 2008, ça fait 5 ans là. D'accord. On s'est rencontrés. Et vous êtes combien dans le groupe? Nous sommes 4, donc nous avons Louis là-bas le guitariste, Alain le chanteur, Gwenaël à la batterie et moi Thomas à la basse. D'accord. Et vous jouez quel style de musique? Alors nous, ça tourne autour du hard rock, voire rock progressif. On s'inspire beaucoup de la musique des années 70-80. Les groupes, justement, comme Black Sabbath, Deep Purple, Pink Floyd, donc c'est un grand mélange, on va dire. D'accord. Et pourquoi ces groupes-là plus que d'autres? C'est de la musique qui nous a un peu bercé depuis tout petit. Par exemple, Alain, c'est, tout, voilà, c'est toute sa jeunesse. Moi, c'est un peu mes parents qui m'ont transmis ce style de musique. Bah, que ce soit Louis ou Gwenaël, c'est la même chose. Donc nous, on a toujours été bercés par ce genre de musique. D'accord. C'est ce qu'on aime. D'accord. Et vous avez déjà fait des compositions ou des CD Oui, alors on a un CD qu'on a sorti cet automne, là, automne 2012. Plus les villes, le CD. Qui s'appelle First Project. Ah, c'est très artisanal. Hein. Oui, mais... Donc voilà, First Project, c'est un album qui a été autoproduit. Donc il y a 5 compos dessus. Donc il faut savoir qu'on a 13 compos au total. D'accord. Donc voilà, c'est des compos qui vont de Running Man à The Last of Us. Ça peut être des balades, des morceaux très hard rock. Mais il faut savoir que tous les textes sont en anglais. D'accord. Sauf une compo qui est en français. Donc sur les textes, on est plutôt basé autour de sujets d'actualité et contes fantastiques, on pourra dire. Ah non, ouais, d'accord. Ouais. Et porté sur l'imaginaire. D'accord. Bah, on vous remercie. Vous jouez bientôt? Bah oui, voilà. Et qu'on a fini de manger. D'accord, voilà. Bon bah avec hâte, et on pourra vous revoir quand? Et bah voilà, nous avons les dates derrière. Donc le 21 juin à Amboise, à la Renaissance. Ensuite le 22 à Marais, le 23 à Saint-Épin, donc c'est un gros week-end de concert, c'est excellent. Et enfin le 29 à Gombergen. D'accord, merci beaucoup. Merci à vous. Et à tout à l'heure. Merci à vous. Tout à l'heure. C'est quoi trop, elle a fait trop de choses aujourd'hui, c'est ça? Ça va? Ouais. Fume nous quoi. Ça va? Ouais. Ah c'est déjà mieux. Ah ouais. Ça va? Ouais. Ça va? Ouais. Ça va? Ouais. Oh c'est bon ça. On commence par un petit extra écrit en russe. Dieti Volchek, Nye Siglayut, Zaiduchi, Fali Vestradini, Puchimu Krali Zai, Grushki Prasik, Ya, Itagda, Paimu. Petit ukrainien qui ne jouera plus jamais dans les plaines d'Ukraine. Bye.
miles away, away. Death buzzing off the ground. Se sont mis à trembler et le béton a grincé. L'énorme dalle s'est envolée vers le ciel, elle est retombée écrasant la folie des hommes et la mort s'est libérée pour l'éternité. We'll be right back.
this place was a mind she owns. Hey, this place was a mind she owns. Merci à vous, public. Donc, bonjour, tout d'abord. Quel instrument jouez-vous, s'il vous plaît? Moi, je suis bassiste. D'accord. Moi, je chanteur. D'accord. Donc, vous jouez de quoi comme style musical? Plutôt rock, bien péchu. D'accord. D'accord. Et comment ça s'appelle, votre groupe? Haïti Blast. D'accord. Ça fait longtemps que vous jouez? Le groupe, il doit exister depuis 6-7 ans. Et
joue tous les 4 ensemble, ça doit bien faire 6 ans maintenant. D'accord. Ouais. Et pourquoi vous jouez plus donc, du rock patate que d'un autre style musical? Je pense que c'est toutes les influences qu'on avait ensemble. On avait des influences même peut-être plus violentes que ça pour la plupart. Hein. Quel genre d'influence Là pour le groupe actuel, tu vois. Oui. Fighter, ça te drive in. Et on pourra vous retrouver quand en train de jouer la semaine prochaine. À la fête de la musique. À Paris. À Paris. Ouais. Donc on vous verra pas au Hellfest. Ah non. On est oublié le Hellfest. À chaque fois il y a la fête de la musique. Et on jouerait, moi j'aurais bien aimé. Je suis toujours pas allé du coup. Dommage. Voilà. Faut le dire au Hellfest. Ils arrêtent de faire leur session pendant la fête de la musique. Ouais. Voilà. Merci beaucoup. Yeah!
du mal à faire ça. Je t'aime. Alors c'est... Ils enregistrent là. Ouais. Oh mon dieu, non. Ouais, mais c'est pour la radio locale, c'est Radio Info. Génial. Ouais, ah, c'est pas ça, ouais. Pour Radio Locale. Bah, Eti Blast, 81 Blast, en chiffres. Combien de temps j'ai passé ici à radio? Oh. Okay.
Oh,
Yeah.
Celle-ci, elle était sur la boisson. Sur notre album. Voilà, guitariste, casseur de guitare. Non, au pire, il nous la donne. Ok. Yeah.
C'est parti!